البرتغال ما رايك يستحقوا جائزه افضل لاعب؟ والله غادي يستحقها وانت راك لخصت الامور ولا خليفه ساديو ماني ولا غير عنده الهيئه وعنده البروفيل تاع لاعب مشروع لاعب كبير هذا اماره ابان على امكانيات كبيره وكبيره جدا بارابور للسن تاعو كان جاب لي ربي هرب على هذا الجيل هذا بواحد 5 سنوات. نتحول مباشره الى هناك مدرب السنغال يتحدث بعد الفوز بثلاثيه على المنتخب الجزائري، نتحول الى هناك. Match entre l'Algérie et le Sénégal. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous pour cette conférence de presse l'entraîneur du Sénégal, coach Sérigné Salium Bakedia. Coach, bonjour, bienvenue, félicitations pour votre victoire. Merci beaucoup. Coach, première question, 3 points. Vous avez maintenant 6 points après 2 victoires. Vous êtes qualifié pour le prochain tour. Quelle est votre opinion et comment avez-vous vu cette victoire face à l'Algérie? D'abord, on rend grâce à Dieu. Je félicite encore une fois les joueurs et j'encourage aussi l'équipe de l'Algérie, qui pour moi est une très belle équipe. Mais ça s'est joué plus ou moins un peu sur l'impact parce que nous, on avait en face une équipe joueuse, une équipe qui savait garder le ballon. Donc, il nous fallait déjà les presser très haut. Il nous fallait les empêcher de faire cette première passe. Il nous fallait les empêcher de trouver leurs très bons jours dans les intervalles, en les obligeant à jouer à contre-nature, Donc, après, on les a obligés à dégager, Donc, et ça, je sais que c'est par le jeu. Et nous, derrière, on avait la hauteur pour prendre les ballons et prendre les deuxièmes et pour contrôler le jeu. Donc, voilà, c'est le plan idéal qu'on avait mis en place. Donc, les presser très haut, les obliger à jouer contre-nature. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi. Heureusement, on a eu la chance de marquer aussi en fin de mi-temps. C'est les détails qui sont importants pour moi, ça donne la confiance, ça brise aussi pour l'autre. Donc vraiment, après, voilà, en deuxième mi-temps aussi, vraiment, il fallait continuer le même travail, il fallait encore une fois ne pas reculer, il fallait jouer dans leur zone, les obliger à jeter, à courir, donc c'est ça qui a marqué. Après, on a eu profité un peu de, plus ou moins de ces transitions, parce que c'est une équipe aussi qui est ouverte des fois quand ils attaquent, donc c'était important pour nous de jouer à fond ces transitions sur le plan offensif et essayer de se mettre à l'abri, et c'est ça qui est arrivé. Donc félicitations aux joueurs. 6 points, je pense que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est, je le dis tout le temps ici, c'est l'attitude qu'on veut inculquer aux joueurs, c'est la formation qu'on veut donner à ces jeunes joueurs pour qu'ils puissent avoir l'habitude de jouer au niveau, de jouer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et je pense que ça, c'est à payer aujourd'hui. Merci, coach. On va prendre les questions des journalistes. Première question ici. Félicitations, coach. Je me présente, c'est Fatabou Chanan, la chaîne Maral TV. Coach, aujourd'hui, vous avez fourni une image d'un champion. Ma question, c'est est-ce que vous attendez un scénario pareil? Et sinon, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour que le Sénégal gagne 3-0? Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'était un match idéal. Ça peut arriver. Hein. Peut-être, on ne sait pas. On verra si on pourra répéter la même performance. Mais le plan qu'on avait mis en place, c'était juste ça. C'était de les pousser à faire des erreurs. C'était d'amener l'Algérie à jouer à contre-nature. On sait que l'Algérie, c'est une équipe qui dégage par le ballon, qui aime jouer depuis derrière. Maintenant, il nous fallait avoir un pressing très haut, avoir un bloc, voilà, où on bloque les deux centraux pour les obliger voilà, à faire autre chose. C'était le plan idéal. Et puis, c'était quand on avait le ballon de mettre du rythme, de l'intensité dans les courses. Je pense que c'est le plan qu'on a mis en place qui a marché. Peut-être les gosses étaient très réceptifs. Et à ce niveau, à leur âge, je pense, c'est un match idéal pour eux. C'est un match exceptionnel pour eux. Je ne m'imagine pas qu'ils étaient capables aussi d'être attentifs aux consignes, de mettre cette intensité, ce rythme dans le match. Voilà, en tout cas, on espère continuer à faire pareil. Parce que ce n'était pas évident. Il y a eu juste 2 jours de récupération. Répéter avec les mêmes 11, les mêmes efforts, ce n'était pas évident. Mais comme je l'ai dit tantôt, le but marqué en fin de premier mi-temps a été, pour moi, le détonateur. Ça nous a permis voilà, de se mettre à l'abri et de dérouler la deuxième mi-temps. Une question en haut. شكرا جزيلا قناة سلام تي في حمزة بوزعما من قناة سلام تي في. Félicitations coach. Aujourd'hui c'est l'Algérie qui a été, selon vous, c'est l'Algérie qui a été faible ou le Sénégal qui a été trop fort aujourd'hui et qui a su comment concrétiser les occasions et mettre les 3 buts et faire l'essentiel. Merci beaucoup. Ben, ce n'est pas que l'Algérie était faible, hein. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est juste notre plan déjà a marché. Notre plan déjà a marché très fort. On a eu du succès. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut arriver chez des jeunes joueurs. Avoir ce succès, ça peut arriver à toutes les équipes. On a vu de grandes équipes perdre 3-0, 4-0, 5-0. Donc, je pense que ce qui était important pour nous, comme on l'a dit tantôt, voilà, c'était d'avoir ce préconcentre sur le porteur du ballon. C'était de les obliger tout le temps à jouer à dégager. Et c'est ça qui a marché. Juste c'est le plan de jeu qui a marché. Et ça a eu, il y a eu de la réussite, comme je l'ai dit tantôt, en fin de premier mi-temps. Mais c'est pas l'Algérie a été faible. L'Algérie est une très belle équipe. Et je sais que l'Algérie sortira. Et l'Algérie aura à défendre ses chances aussi devant sa nation. Une question ici. Bonjour coach. Bonjour. Le Sénégal a eu deux participations dans cette catégorie en U17 et les deux fois le Sénégal est sorti en phase de groupe. Là, vous êtes déjà qualifié pour le prochain tour avec 6 points. Est-ce qu'on peut dire que déjà c'est un objectif d'atteint et que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre le deuxième objectif, c'est-à-dire d'aller en Coupe du Monde U17? Ouais, c'est vrai qu'on était venu aussi, comme je dis, parce qu'il y a une euphorie qui régnait sur le Sénégal. Mais je disais tout le temps, attention, nous, U17, c'est pas U20, c'est pas U23, c'est des jeunes joueurs qui sont en apprentissage, qui sont à devenir. Il fallait pour nous installer ces habitudes, il fallait pour nous essayer de mettre en place une équipe très compétitive. Ouais, je pense qu'on a eu quelques couacs en fin de préparation, où on a aligné des défaites, mais c'était très positif pour nous, parce que le contenu n'était pas mauvais. On était sur une bonne direction, et je pense que dans ce tournoi, l'essentiel c'était de prendre les matchs un à un. Donc là, on a des victoires, on est qualifié. Mais on va essayer maintenant de préparer la Somalie tranquillement, parce que je pense qu'aucun match ne doit être négligé. Tous les matchs vont être importants parce que c'est des moments où les enfants vont continuer un peu leurs apprentissages. Et au deuxième tour aussi, si on passe au deuxième tour, on attaque à ce match aussi, comme ces matchs, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, avec l'objectif de passer, parce que ce sera une autre match plus difficile, des équipes plus compétitives. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on soit très humble dans cette victoire, qu'on soit très mesuré. C'est des trucs qui peuvent arriver de temps en temps. Il faut que ça ne nous vole pas la tête. We'll take the last question here for Satish. Satish Shaker, Empower's magazine. Obviously, the point of such competitions is to help produce players for the future full national team. With the obvious exception of Amara Diouf, which of your team do you, our squad, do you think will become regulars of Senegal and be there for quite a long time to come? Oui, on l'avait expliqué, je pense que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est un peu former ces jeunes joueurs. Le succès maintenant, le succès ne s'invente pas. Je pense qu'il faut semer. Parce qu'on dit tout le temps en catégorie jeune, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais ce que tu as semé. Donc l'essentiel, c'est d'avoir d'excellents joueurs qui pourront nous représenter aussi bien quand ils vont finir cette catégorie, tout de suite être fonctionnels. Parce que je pense que c'est ça le succès du Sénégal. On est en train de voir des U20 qui ont joué en U17, U15, U17. Parce qu'il y a 2 ans que le Sénégal gagne en U15, U3, U15. Et là, la majeure partie vient de l'effectif qui a gagné l'U3 l'année passée, il y a juste 1 an. Et il y a 2 ans. Maintenant, même U20 qui était en Égypte, il y a au moins, on peut compter 6 à 8 U17 qui étaient avec le même coach en U17. Donc, ça veut dire que cette continuité un peu dans les catégories, déjà, il y a l'image du pays que tu vas déjà, il y a la compétitivité que tu as, et tu connais c'est quoi le haut niveau. Je pense que le haut niveau ne se raconte pas, ça se vise. C'est une expérience qu'il faut donner à ces jeunes. Et nous, je pense que c'est ça qu'on est en train de profiter pour pousser ces jeunes à être productifs, à être plus tard voilà, des futurs champions pour les différentes catégories. La toute dernière question, Mustafa. Mustafa Bouifer, la Radio Nationale. Coach, félicitations pour la victoire et pour la qualification au quart de finale. Est-ce que, coach, le Sénégal est en train maintenant de récolter les fruits d'un long travail de base ces 10 années, U20 champion d'Afrique, Chan, l'équipe a gagné la CAN, soccer. Est-ce que maintenant le Sénégal est en train de récolter un travail de longue d'année? Oui, je pense que le Sénégal est en train de récolter ça. Si on va chez nous, on a 2 centres d'entraînement où les gosses maintenant, ils sont là-bas 3 mois, 4 mois à se préparer. Et c'est ça, c'est le lieu de féliciter plus ou moins la Fédération sénégalaise de foot, le ministère des Sports, qui ont investi un peu pour nous permettre d'avoir ces jeunes joueurs. Deuxièmement aussi, il y a de grands centres de formation au Sénégal. On sait Djambar, qui a sorti Idrissa Ganegui, qui a sorti Salou 6, Génération Foot, qui a sorti Salou Sadio Mané ou le Amara Diouf, là, il est de Génération Foot, là où Sadio Mané vient Ismaël Sarr. Donc ça veut dire qu'on a des centres de qualité, on a aussi, presque dans toutes les régions du Sénégal, des écoles de foot, des éducateurs qui se battent, qui font tout pour former ces jeunes joueurs. Et je pense que nous, on est juste en train de récolter ce travail, on est en train d'appuyer un peu le travail de ces éducateurs qui sont loin du Sénégal, qui sont partout au Sénégal. Et là, on essaie de mettre un peu la forme, on essaie de leur donner ce niveau, ces niveaux d'entraînement, parce que nous, on a plus ou moins un peu d'expérience par rapport à jeunes. Moi, je pense que j'ai fait 10 ans avec Aspire, j'ai des coachs à Aspire Academy pendant 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on connaît plus ou moins un peu la qualité de la formation et quoi inculquer aux jeunes. Et là, je pense on est sur le chemin, c'est encore loin. Il y a encore beaucoup de sacrifices à faire, beaucoup d'efforts à faire. Mais je pense que ce n'est pas loin. Il faut qu'on continue sur cette dynamique, ne pas encore dormir. Parce que toutes les nations sont en train de travailler pour être au haut niveau. Je pense que nous, on ne doit pas être en reste. Il faut nous fructuer sur tout ce qu'on a gagné. Si on ne connaît pas le travail, je pense que ça va disparaître. Parce qu'en foot, il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Merci beaucoup, coach. Et on vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Merci. Encore une fois, félicitations. سيرين سالون باكي مدرب منتخب السنغال يتحدث عن أهمية وجود الأكاديميات والتحضير منير من سنوات طويلة لهذا المنتخب مثلهما هم الفئات الشبانية